Alors que j'épluchais un œuf, j'étais en train de réfléchir à des questions existentielles. Comment ça se fait que Ben et Ray étaient autant liés? Qu'est-ce qui constituait leur dyade? Quand tout à coup, mais ils sont peut-être frères et sœurs! Jusqu'à ce que... Ah ben non, c'est vrai, je suis con. Mais c'était sans compter sur un coup de génie. Sauf si... Attends, Ray est la fille de quelqu'un. Et ce quelqu'un est le fils ou la fille de Palpatine. Ben, lui, sa mère, c'est Leia. Qui est la fille de Anakin? Qui est lui-même le fils de... Shmi. Ah ouais, bah non. Mais attends, je me suis alors mis à taper sur internet Palpatine Anakin's father. Et je suis tombé sur... Dark Vador, seigneur noir des Sith numéro 25. Palpatine a volontairement injecté la force dans Shmi pour créer Anakin. Attends, quand est-ce qu'il est sorti? En 2018, ça veut dire que c'est canon? Donc attends, il me faut un autre œuf là. Donc Palpatine, c'est le père de Anakin. Il est donc lié à Ben. Et Palpatine, c'est le grand-père de Rey. D'où le lien si fort entre eux. Vas-y, c'est bon, je suis trop fort.